Waouh. Franchement, c'est un des espaces les plus aboutis que j'ai vu jusque-là. Concept hyper simple. Aujourd'hui, je vais analyser vos espaces Notion. Il va y avoir des bons, des mauvais, des un peu moins bons et des cuissons hyper avancés. Franchement, rien à dire. Je trouve ça assez cool. Tout ce que tu as fait là, franchement, bravo. J'espère que vous allez pouvoir suivre. À chaque fois, je vais dire par qui il est fait, pourquoi il est fait et ce que moi, j'aurais fait différent. Bref, si jamais vous voulez vous envoyer vos espaces Notion, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous explique comment faire. Allez, on va sur mon écran et je vous montre exactement quels ont été les espaces Notion qui m'ont été envoyés. On commence tout de suite par Julien qui m'a envoyé un espace qui a 51 ans, qui a un podcast sur la reconversion professionnelle. Il utilise cet espace Notion en share avec un ami, donc à plusieurs, sur la reconversion professionnelle. Il a beaucoup d'inputs, mais il a du mal à formaliser ses outputs, c'est-à-dire qu'il va mettre beaucoup de choses dedans, mais il a du mal à présenter un peu tout ça. C'est d'ailleurs le problème que beaucoup de gens ont. Il sait qu'il doit monter en puissance sur les OS, donc les Operating Systems. C'est une des méthodologies que je présente dans ma formation qui s'appelle Notion Secret, dans laquelle on voit un peu plus en détail comment justement gérer les présentations de tout ce qu'on met sur notre Notion. Mais grossièrement, il veut faire de la gestion du temps, de la gestion de priorité. Est-ce que tu pourrais me donner quelques exemples ou des pistes? Eh bien, on va découvrir son espace directement ici. Je vois déjà qu'il y a plein de pages qui se baladent sans vraiment de base de données. Ah si, il a quand même un back-end. Donc déjà, il a un peu... Ah, ok. Il a un back-end avec pas grand-chose dedans. Donc déjà, c'est une bonne idée, Julien, d'avoir fait un back-end. Sauf que un back-end, ça sert à mettre des bases de données. Donc, moi, j'aurais mis dedans, en fait, une base de données principale d'épisodes de podcast. Et donc, une des premières choses que j'aurais faites, c'est de mettre ici une base de données épisode qui va être ici une base de données. Donc, on peut dire un Kanban qui vont avoir plusieurs états, donc typiquement épisode en cours, épisode à faire ou épisode terminé. Et en fait, cette base de données là, elle va pouvoir être reprise partout dans ton espace, Julien. Et donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une base de données, petit exemple, une base de données, c'est quelque chose qui va se mettre du coup dans votre back-end, donc dans un endroit que vous allez protéger. Et imaginons une base de données épisode, et bah elle va pouvoir être visible dans plusieurs de vos pages. Donc imaginons ta page principale dans laquelle tu vas venir afficher tes épisodes, imaginons une autre page dans laquelle tu vas venir afficher tes épisodes, et imaginons une page encore une autre dans laquelle tu vas venir afficher cet épisode. Donc une base de données d'épisodes va te permettre, grâce aux vues liées, d'afficher plusieurs fois des vues de base de données. On va voir ça avec un exemple. Et c'est d'ailleurs une des premières choses qu'il faut comprendre, et peut-être que t'es pas encore à l'aise avec ça, Julien, et j'ai vraiment envie de te montrer ça. Qu'imaginons, tu as une page principale dans laquelle tu vas vouloir montrer tous tes épisodes. Là, ce que tu peux faire pour commencer, c'est mettre un slash, faire vue liée. Et là, tu fais vue liée de base de données. Et là, tu vas voir que tu auras la possibilité de montrer ta base de données d'épisodes qui était là, ici, tu sais, dans ton back-end, ne pas toucher. Et selon si tu vas déplacer tes cartes entre affaires ou en cours, etc., bah, elles vont être déplacées ici également. C'est ce qui fait qu'en fait, une base de données source, c'est un peu comme une vue qu'on avait sur cette base de données à chaque fois. C'est pas du tout une copie, hein, c'est juste comme si un fantôme de cette base de données était venu ici et j'arrivais à le voir directement ici. C'est ce qu'on appelle les vues liées de base de données et c'est très important. Donc voilà déjà la première chose que je t'aurais conseillé, Julien, c'est à un moment donné, affiche une base de données d'épisodes. Et pareil, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne sont pas des notes, essaye de réfléchir en base de données. Sinon, qu'est-ce que je vais voir ici? Je vois des inspirations. Donc là, ça peut être une base de données d'inspiration. Donc à la limite, je vais venir la mettre ici pour l'instant. Une liste d'invités, ça c'est une base de données. Donc du coup, pareil, je vais la mettre ici, ta liste d'invités dans base de données. Là où ici, tu as mis à des bullet points, donc une liste à puces. Moi, ce que j'aurais fait, c'est je viens faire copier, contrôle, commande C, commande X pour enlever tout ça. Je viens créer une base de données et je vais ici venir coller tous les éléments que tu avais, tu vois, avec pomme V ou commande V. Et puis tu vois, hop, ici, tu as une nouvelle base de données. C'est quoi l'avantage d'avoir une base de données VS encore une fois, avoir une liste à puces comme c'était avant? Bah, la différence de la liste à puces, ça maintenant, cette liste d'invités, on va pouvoir la réutiliser un peu partout dans notre espace. Donc, tu vas pouvoir, par exemple, avoir une colonne avec deux personnes. J'ai dit une colonne avec deux personnes, mais deux colonnes. Et du coup, on a nos épisodes ici et je pourrais faire une linked view, une vue liée de base de données et afficher cette fois-ci la liste d'invités. Et je peux l'afficher sous plein de manières différentes. D'une liste, on peut mettre ici leurs photos, etc. Et en fait, ce qui va être sympa, c'est que par exemple, dès que tu sais que cet invité a accepté ou quoi que ce soit, et bah boum, tu pourras venir le déplacer ici. Et du coup, tu viens de faire passer ta liste d'invités qui était juste avant une liste à puces en base de données qui te permet, eh bien, de les emmener vers tes épisodes. C'est typiquement une utilisation. Bref,
Il y aurait plein de choses à dire sur l'espace de Julien, mais je voulais juste insister sur le fait d'utiliser des bases de données à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se répète. Essayez d'utiliser des bases de données, c'est vraiment la base de Notion et il faut comprendre ça avant d'avancer. Et on va maintenant passer à Ludo qui a 38 ans et qui me dit que bah en fait il a créé pour le coup lui plusieurs bases de données mais il sait pas vraiment comment les organiser donc en tant qu'élément visible. Contrairement à Julien tout à l'heure, Ludo il a plein de bases de données mais il sait pas du tout comment sur ses pages et bien les organiser. Donc on va dans l'espace de Ludo, c'est parti. Alors waouh, ok, Ludo en fait il m'a partagé son backend en fait, donc j'ai l'impression que tout ça c'est des bases de données. Bon, ici, j'ai pas accès, c'est pas très grave. Je regarde si c'est des pages ou des bases de données. Donc là, ça a l'air d'être une base de données. Comment je sais? Je peux rien écrire en dessous, donc c'est une base de données. Ok, il a une base de données de tâches liées à des projets, donc ça, c'est un super truc. Je vois qu'il a créé des vues de bases de données, c'est top. Donc il a, j'ai l'impression ici, créé beaucoup de bases de données, mais bref, il a besoin de nos dashboards. Donc maintenant, comment est-ce qu'on affiche ça? Moi, ce que j'aurais tendance à faire là déjà, c'est de faire en sorte que je vais mettre ici espace Ludo. Toutes ces bases de données, je vais avoir tendance à les mettre dans un back-end, chose qu'avait très bien fait Julien tout à l'heure, mais on va les mettre dans un back-end. Un back-end, c'est juste un endroit qu'on va pas du tout toucher et qui va nous permettre de stocker un peu comme un coffre-fort toutes nos bases de données. Donc je viens mettre ça dans back-end, je viens grossièrement glisser quasiment tout dans mon back-end. Hop. Hop, voilà. Ça, je sais pas ce que c'est, je vais aussi le mettre dans le back-end. Voilà, comme ça, je démarre d'un espace assez vide. Et puis, je vais commencer à mettre en place mes dashboards. La première chose que je peux te conseiller, Ludo... Ah, j'ai mis Luda, mais en fait, c'est Ludo. Hop. Bon, donc, en gros, la première chose que je peux te conseiller, Ludo, c'est de venir ici, de créer deux colonnes ou trois colonnes, selon si tu as un grand écran ou pas, et venir faire une vue liée qui va te permettre de venir récupérer, en fait, la base de données tout à l'heure. Donc, voilà, toi, tes tâches sont là. Donc, espace Ludo, back-end, hop. Donc, tu vois, là, j'ai réussi à venir récupérer, en fait, ta vue que tu as déjà créée en plus ici. Donc, ça va être intéressant parce que du coup, tu vas pouvoir avoir des vues différentes qui sont déjà ici créées. Donc, c'est pas grave. Et donc, du coup, tu vas pouvoir, par exemple, ici, mettre un espace de capture. Hop, enlever ça. Donc, ça, c'est juste la partie où tu captures des choses. Et ici, par exemple, tu vas pouvoir mettre linked view, donc vue liée, mettre tes projets par exemple. Donc tu as tes projets ici et donc là tu vois, tu as accès à toutes les vues de tes projets. Donc tu peux afficher tes projets sous forme de galerie par exemple. Voilà, donc si tu as de la place, tu peux ajouter des colonnes dans des colonnes. Donc là par exemple, tu pourrais faire une autre vue liée et afficher une de tes autres vues de tâches. Donc là tu vois, tu as toutes tes tâches qui sont affichées. Donc juste afficher tes tâches d'aujourd'hui et qui ont le filtre de affaires égale aujourd'hui. Donc ça déjà tu vois, tu commences à créer un petit peu ton espace Notion. Dès que tu as de nouvelles tâches à ajouter aujourd'hui, tu peux l'ajouter ici. Tu vois que elle s'ajoute dans tes tâches capturées également. Et après on va aller visiter ton backend pour voir ce dont tu as besoin, qu'est-ce que tu veux afficher. Là ce que je vois, c'est qu'en fait il y a une partie gestion de projet, WorkOS un petit peu, donc ton espace de travail, une partie FamilyOS dans lequel tu veux afficher toutes ces informations et une partie peut-être LifeOS qui est là. Donc moi ce que j'aurais tendance à faire et te proposer en fait, c'est d'ajouter un petit menu tout simplement en venant créer des pages différentes, donc une page LifeOS par exemple. Je vais venir dupliquer ça, hop, avec commande D. Je mets ça côte à côte, tu vois, donc là, tu as un menu qui est intéressant. Donc, une page LifeOS, une page WorkOS. OS, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Operating System, hein. C'est juste une manière, une nomenclature que moi, j'utilise souvent pour avoir des espaces complets de travail. Et tu peux avoir FamilyOS ici. Et en fait, à chacune de ces pages, à l'intérieur, tu vas créer des vues de tes bases de données différentes. Et donc, on en revient un peu à ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est que tu vas avoir plusieurs bases de données qui vont être dans ton back-end et derrière, dans plusieurs pages, tu vas avoir, donc là, tu peux avoir FamilyOS, LifeOS, WorkOS, tu vas avoir uniquement ces vues qui vont en fait se balader selon les colonnes que tu as créées. Et si ça t'intéresse, je peux aller te laisser regarder la vidéo sur pourquoi vos pages Notion sont moches. C'était une vidéo que j'avais faite dans laquelle j'explique un peu les différentes manières de rendre une page Notion esthétique tout en utilisant des vues de base de données. Et la raison principale que j'avance souvent sur pourquoi utiliser des vues de base de données plutôt que des bases de données directement dans des pages, c'est que si vous supprimez la page, eh bien la base de données disparaît aussi. Et c'est pour ça que je préfère garder mes bases de données dans un back-end et montrer que des pages avec des vues de base de données.
Bref, il y aurait tellement à dire également sur l'espace de Ludo, mais ce que je dirais vraiment, c'est utilise massivement les vues de base de données, utilise les menus pour pouvoir agrémenter un peu ton espace. Avant de voir l'espace le plus complet qui m'a été envoyé, on va voir l'espace de Sophie, qui est assez avancé aussi, et je trouve qui est pas mal. Alors Sophie, elle a une entreprise qui crée des micro-crèches, que je salue d'ailleurs, qui eh bien, a fait cet espace dans lequel elle a ses to-do. Alors je trouve ça cool parce qu'elle a utilisé un sync block, ça veut dire que eh bien, son espace de to-do est réutilisé quelque part. Ça, c'est très très smart, parce que du coup, elle va pouvoir avoir ce même espace qui a été créé dans plusieurs pages. Donc typiquement, je peux faire pomme V et hop, j'ai la même chose qui est ici, VS ici. Donc c'est vraiment génial, bravo. Je vois qu'elle a un back-end, c'est vraiment très cool, dans lequel elle a des bases de données. Donc elle a utilisé pour le coup la même méthodologie que je vous ai montré précédemment. Je vois qu'elle a ici bien utilisé pour le listing des objectifs, les objectifs trimestriels et exactement. Et en plus de ça, on a des modèles de templates qui sont utilisés, qui permettent d'ajouter les icônes directement. On a des filtres qui sont là. Franchement, jusque là, bravo. On a des projets en cours. On a en plus une semaine type avec un bloc synchronisé. Franchement, jusque là, je trouve ça assez sympa parce que j'ai l'impression qu'elle utilise toutes les fonctionnalités clés. Elle a un Calendly avant de relancer, vérifier si une vente est liée. Ok, elle a un suivi des élèves. Ça, c'est top. Alors, vu qu'elle est formatrice, du coup, elle a un endroit pour suivre ses élèves. Alors, c'est bien une base de données qu'elle a qui s'appelle Vente Pure Conseil, dans lequel elle a tous ses élèves. Et du coup, ça lui permet d'avoir un espace avec ses ventes, ses to-do. Vraiment, en fait, sur la même page, elle a quasiment tout. Donc, bravo. Moi, ce que j'aurais ajouté, tu vois, là, Sophie, c'est peut-être une table des matières. En fait, ici, tu vois, j'aurais fait deux colonnes. J'aurais ajouté un TOC, donc Table of Content, une table des matières dans laquelle tu as du coup les titres qui vont apparaître en premier. Et parce que cette page, elle peut devenir un peu longue à lire au bout d'un moment. Et donc, ça te permet d'avoir un espace, un endroit où tu peux rapidement arriver à toutes tes parties. Donc là, tu peux mettre par exemple semaine type. Là, tu peux mettre un titre en mode projet en cours. Et donc, du coup, il va automatiquement s'afficher aussi ici parce que vu que c'est des titres, ils vont être automatiquement pris dans la table des matières. Et puis ici, je peux ajouter aussi, donc là, je fais pomme D pour dupliquer ça. Et là, je peux aussi afficher objectif. Voilà, comme ça, ça te permet d'avoir un menu pour accéder très facilement à ce que tu veux ici. Et potentiellement, moi, ce que j'aurais fait aussi, c'est que tu vois, tes objectifs annuels, eh ben, je les aurais, pourquoi pas, affichés ici également. Comme ça, tu as à chaque fois une visibilité sur tes objectifs annuels. Donc, à chaque fois que tu viens sur ta page, tu as un endroit où il y a tes objectifs annuels qui sont visibles. Un peu moi, comme je fais sur mon espace perso, sur mon LifeOS à moi, j'ai mes to-do qui sont à droite, j'ai ma navigation qui est ici, j'ai une autre navigation qui est là. Et en fait, j'ai mes objectifs perso et mes objectifs pro qui sont là, qui sont tout le temps affichés, et c'est les premiers que je vois à chaque fois que je vais sur ma page. Et donc c'est vraiment ce que je t'aurais suggéré en plus, mais sinon à part ça, franchement rien à dire, je trouve ça assez cool tout ce que t'as fait là, franchement bravo. Dernier espace maintenant qui selon moi est le meilleur dans la liste, 29 ans, Alexis qui a son OS pro et perso ici. Grâce à ta formation, dans un premier temps j'ai refait à l'identique les modèles vus dans les vidéos et après j'ai commencé à comprendre les choses par moi-même. J'ai d'abord eu travaillé sur un Figma en basant, donc Figma c'est juste un outil qui va vous permettre de faire des dessins, FigJam ici pour être très, très précis. Et après il a utilisé la méthode para de Thiago Forte, et là que je vais vous montrer un peu ce que c'est que la méthode para. J'ai décidé d'en faire un template à ma copine et c'est donc ces dossiers que vous voyez à l'écran. Waouh, je trouve ça génial. La méthode para, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une méthode inventée ou en tout cas avancée par Thiago Forte qui est projet R. Donc areas, ressources et archives. Et en fait ça, ça peut être amené dans Notion. Et donc c'est ce qu'a fait notre ami ici. Hop, waouh, déjà il a un super style graphique, je trouve ça plutôt cool. On voit les boutons rapides, donc ça c'est un des premiers à utiliser les boutons, bravo à toi. Les boutons c'est ce qui va nous permettre de faire des actions ici, je vais pas trop y toucher. Il a une navigation secondaire, waouh, avec des actions, des suivis et une organisation para du coup. Ok, comme donc inbox, tâches, projets, ressources. Donc je vois qu'il l'a modifié un petit peu, ce qui est quand même hyper cool. À chaque fois, il a, pour commencer sa journée, un lien vers une page ma journée. Il a ses tâches de la journée. Waouh, c'est génial. Il utilise aussi bien une vue synchronisée qu'il va pouvoir afficher que des vues spécifiques. En tout cas, je trouve ça vraiment top. Il a ses tâches suivies.
Il utilise aussi une vue calendrier qui est ici uniquement en vue hebdomadaire, contrairement à la vue mensuelle que tout le monde utilise. Donc je trouve ça vraiment, vraiment canon, bravo à toi. Il a un endroit où il va venir capturer, alors là il manque quelque chose, mais je pense qu'il a dû enlever la base de données juste pour l'exemple. Il a ses actions favorites ici, ses domaines favoris. Il a son Knowledge OS, donc en fait un endroit où il va venir mettre toutes ses connaissances. Et il a un endroit pour terminer sa journée, et à chaque fois, il a un template pour démarrer sa journée, et avec des habitudes ici. Franchement, bravo. Pas grand chose à dire, en plus il a des boutons avec le niveau d'humeur qui vont venir ajouter des pages. Je suis assez impressionné, je vous avoue. Et en plus de ça, il a des nouveaux boutons ici qui vont nous permettre d'ajouter des domaines. Donc là, ça vient d'ajouter une page, d'ajouter des nouvelles tâches. Là, je vais voir si j'ajoute des nouvelles tâches. Est-ce qu'elles sont visibles ici? Non, mais parce que si j'ajoute pas des nouvelles tâches pour la journée, si je mets une date de réalisation à aujourd'hui, ah voilà, superbe. On voit la nouvelle tâche ici et je peux la déplacer. Nouveau contact, il y a une gestion des contacts. Waouh! Franchement, c'est un des espaces les plus aboutis que j'ai vu jusque-là. Bravo à toi. Tu disais que t'as repris un peu le système des OS qu'on fait dans la formation et tu l'as bien modifié et avec un back-end là aussi qui reprend vraiment les bases de données principales. Et en plus, cerise sur le gâteau, il a un bouton pour revenir sur la page principale. Alors c'est un nouveau format que je teste, le format j'analyse vos espaces Notion. J'ai vraiment kiffé. Si vous aussi ça vous intéresse d'envoyer vos espaces Notion, il y a un petit lien en description de cette vidéo qui va vous permettre d'envoyer votre espace si vous voulez que je l'analyse sur ma prochaine vidéo. Maintenant que ça c'est fait, je vous invite à regarder la vidéo dans laquelle j'explique qu'est-ce qui fait que vos pages Notion sont moches et pourquoi pas faire en sorte de rendre les vôtres un peu plus belles. Ciao, à bientôt.